Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jean. Salut TNJT, salut Mindy, salut Rikuro,
Salut AiguemiVD, salut TonyKichopa, salut Warthaz, salut le Chichon, salut Badpit, salut salut Punisher, salut Brucey Chéri, salut Minimini, salut Azaraim, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, super. Waouh, la lumière qui m'éclabousse dans le visage. Hop, je pense que vous savez à quel jeu on va jouer. Si le jeu veut bien, allez, s'afficher. Boum, éblouissant, je suis même... Allez, gaming. On va faire la campagne parce que j'adore la campagne de ce jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Poup. C'est le plus grand jeu de tous les temps. Ah. Le jeu a planté. J'étais chez King Express. Ah bah, ce King Express, c'est classico. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sans sub, c'est sans mon sub au total. Hein. C'est. Je veux dire, bon, allez, on va faire comme si le jeu venait pas de crasher. Il s'est rien passé, hein. Il s'est passé quelque chose? Non, mais Chunky Express, c'est probablement un... Enfin, c'est mon préféré, je pense, de Wong Kar-wai, juste après... comment dire? Enfin, et juste devant In the Mood for Love et probablement Fallen Angels. Alors, qu'est-ce qu'on avait reçu? On a du fric. On a une téloche. Oh putain, on a plus d'argent, là. Prochaine mission, full stop. Ah, Power... Outrage. On a une nouvelle mission à Power Outage. C'est voilà qu'on va aller. Toulou. Salut Infinitix. Remater The Naked. Il vient de remater The Naked Director. Ah, je connais pas du tout. Ce qui me concerne. Alors. Donc par là on peut s'escaper. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Oh, c'est une bombe. Et alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut saboter. Placer la bombe, les bombes dans des trucs by the damn turbines. Donc la bombe là, faut que je l'amène ici déjà. Et ça, faut que je les détruise aussi. Il faut que je détruise ça, ça. Ok, donc il y a pas mal de trucs à détruire. Hein. Donc j'ai des trucs à détruire. J'ai une bombe à poser. On va y aller, hein. On va y aller, pourquoi? Parce que j'adore ce jeu. Les modes soit fromage, j'ai pas encore commencé à la faire, hein. Je vous avoue que j'ai rien fait de la journée, j'ai à part regarder un film. Et voilà, quoi, c'est tout. Et manger. Ouais, allez. Tac. Hop, on se balade avec une bombe, y'a pas de problème. J'espère qu'elle va pas me péter dans les mains. C'est une grosse bombe quand même, hein. Oh merde. Je vais pas pouvoir passer par là, il y a des travaux. Ah si, c'est bon. Hop. Allez, on voit rien du tout, hein, avec la bombe devant les yeux. Salut fantôme, comment tu vas? Série biopic sur l'homme qui a modernisé le porno japonais quitte à aller en prison. Oh putain, intéressant. Enfin, ça promet d'intéressant. Parce que tout le monde sait que c'est très particulier le porno japonais. Je sais pas si vous le savez, mais moi je le sais par exemple. Oh why I found you. Ah. Bon allez. Allez, viens, on grimpe. Ok. Allez. Putain de merde, c'est long, hein. Hop là. Salut Skeletor, comment tu vas? Salut Lucie. Concours du plus moche. En fait non, c'est pas ce soir, ce sera plus tard. Je vais pas dire exactement quand, parce que si jamais c'est repoussé encore, j'aurais dit une date au hasard. Et voilà, je passerai pour un gros con. Vous le dites directos, la flemme. Donc on a une cible ici. Une cible ici, c'est les trois là. Je pense en faire trois assez rapidement. Ensuite, il faudrait que je fasse Bium, Chak, Berg, Bom, Kak, Pow. Ok, donc là c'est la première cible, hein. Donc ça c'est une bombe.
Hop. En plus, je crois que la censure au Japon, c'est quelque chose aussi, hein. Oh. Allez. Allez, on monte. Allez, grimpe, saloperie. Oh, il me fait chier, lui. Allez, là, on y est presque. Il va pas me dire qu'il va s'arrêter de monter avant la fin. Oh non, et en plus, je tombe dans l'eau. Putain, c'est trop chiant. Salut, Filamèche! Salut, Sama Boomer! Du coup, j'ai même pas dit salut, mais salut Henri la croûte. Des fois, j'ai peur de pas bien prononcer vos pseudos, alors je. Oh oui! Oui, voilà! Oh merde. Bon. Faut que je recommence parce que je l'ai fait exploser comme un débile avant que je l'ai bien mis en place. Donc très bien, on va faire comme si c'était rien passé. On va aller chercher un véhicule et on va l'amener jusque là-bas parce que ça va me casser les couilles sinon. Ah ouais, je peux l'amener par là, ça va être plus simple. La bombe ici, c'est genre ça me fait plaisir. Hein. Le canon. Hop. Regardez-moi ça, là, je me balade avec la bombe, là. Ça fait super plaisir. Attendez, parce que... Je sens que si je recule pas encore un peu le bateau, je vais me faire baiser. Allez, grimpe sur le bateau la bombe. Let's go. Hop là. Pas de conneries. Voilà, le bateau m'a l'air d'être assez... capricieux, hein. On va le faire. Où est-ce qu'on peut le poser le bateau pour que ce soit tranquille? On va faire. On va accoster de l'autre côté en face. Ah non, mais en fait, on peut la mettre directement. Attendez, regardez. Merde. Attendez, déjà on va faire une quick save ici. Non mais c'est bon, on a pas besoin de la caler là, elle est bien. Bah voilà! Eh! Pas mal, non? Alors. Ensuite. On va faire une petite quick save ici et je vais tester un truc. Quick save. Parce que j'ai des roquettes. Trop.
trop bas. Ok. Ok, ok. Pas des dieux. Pour le moment, tout se passe comme je le veux. Ok, donc là, on va juste aller à l'intérieur. On va péter quelques trucs, histoire de faire un bon petit chemin. Et on voit à peu près où est-ce qu'il faut qu'on tape avec notre lance-roquette. Ça va demander du travail, je vous le dis directos. Hein. C'est pas un... Y'a pas quelque chose de caché dans les chiottes là que je puisse... Oh! Oh! Pardon? Vous avez vu? Un grappin dans le jeu serait exceptionnel. What the fuck? Bon. Dis donc, c'est un peu de la triche ça. A plus Wartaz, à la prochaine mon pote. T'as comment je monte là-haut là? Ah oui, par là. Non. Ok, par là. Donc l'objectif, c'est de détruire ceci. Je pense que vous l'aurez compris. Pour faciliter la tâche, on va... Hop. Se péter tout ça. Donc là d'ici normalement on peut le faire. Je vais faire une quick save mais... Donc une roquette. Donc d'ici paf. Oh 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 oh. Donc c'est... Je crois que j'étais là. Je visais là. Non, trop haut. Quick load. On réfléchit, on se remet. Concours des moches est annulé. En fait, c'est pas ce soir, malheureusement. Je suis désolé pour ceux qui l'attendaient vraiment. Ici. Attendez, on va faire une quick save. Et je pense que ici c'est bien là. Non. Échappe quick load, ok. Je fais beaucoup de... Salut Irwine. Donc ici à peu près. Flog a dit sûrement aujourd'hui mince. Bah moi aussi je pensais que c'était aujourd'hui mais Pota a changé. Et comme c'est Pota qui décide de cette heure de pour le truc là. Hop. On fait comme il dit. Comprendes? Ça devrait être hier, après c'est aujourd'hui, maintenant c'est pas quand. Voilà, c'est ça. Non mais ça devrait. C'est. Hey, ça va venir, soyez patient. Le concours du plus moche va arriver. C'est un peu par. C'est par là, je pense qu'il faut que je tire. Ok, par là. Ensuite, le deuxième. Donc ici. Quick save, normalement c'est bon. Excellent. Enfin commenter les liens du sang. Ah, quelle bonne décision. Ok, ça c'est bon. Parce que je peux faire ça. Je clique. Et d'ici. Merde. Parce que d'ici j'ai... Oh. J'ai accès à trop de trucs en fait d'ici genre. D'ici, je peux aussi détruire celui qui est ici. Donc là, on va aller dans la tour et on va aller à l'intérieur pour s'occuper du truc, là. Hop. Tududu. Ah bah ça, c'est là, ça va être du millimétrage. Hein. Oh, il est derrière, en fait. Est-ce que... Ok. Non mais en fait c'est parce que là c'est... Je vous assure que je... En fait j'ai travaillé dans le BTP.
Donc je sais ce que je fais, hein. Logiquement. Donc alors, on sait qu'on a... Donc c'est... Spray can, le truc est ici. Est-ce que c'est touchable, atteignable d'ici? Je pense que c'est atteignable, on va voir si... On va faire une quick save. Un speedrun assassinat de Grim Cujo. Mais c'est super facile de tuer Grim Cujo. Alors, où est-ce que... Ok, parfait. Parfait, quick load. Parfait, là j'ai trouvé exactement là où faut que je tire. Je vais m'assurer qu'il y a... Faut que je mette... j'aligne mon style, le rouge avec la barre jaune. La barre que je vais mettre en jaune là. Et juste un peu par là, à peu près, faut que je tire par ici. Et cette barre là que je mets en jaune, attendez, faut juste que je tombe pas. Ah bah ça marche. Ok, parfait. Donc avec ça, on a les deux premiers. Quick save. On a les trois premiers même. Avec ça, on aura tout ça qui sera résolu en un rien de temps. Tadadam. Tune, tune. Salut Rat Boy. Hop. Ensuite. Donc à partir de là, je peux aller rapidos jusqu'à... parce qu'en fait, ça, je vais pouvoir aller vite jusque là. Ah merde. L'enlever TPD demain. Compréhensible, j'ai envie de vous dire. Donc là, à partir de ça, je vais rentrer là-dedans directos. Je pense que ça va être assez... Avec le bateau. Si je peux me permettre. Hop. Avec le bateau, je vais arriver par là. Non, je pense que faut que j'arrive ici. Tac. Donc là, j'arrive par ici. Je saute comme ça. Boum. Chaka, laka. Attendez. Ok. C'est bon. Je voulais juste être sûr. Parce que la seule teinture que... Ah mais c'est clair, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis le patron du jeu? Malheureusement, non. Ensuite, pour qu'on aille super vite, il va falloir qu'on monte rapidoso. Donc pour aller super rapidoso, moi je vous dis, la solution, elle n'a pas 35. Entre autres ça. Tac, tac, tac. Et il me semble que... Ouais, c'est juste là. Attendez, je vais juste vérifier. Ouais, c'est un peu par là, ouais, c'est ça, c'est là. Tac, tac. Tac, tac, tac. Désolé, j'aime trop faire ça. En vrai, les trucs avec les planches, je trouve c'est trop bien. Genre, ça donne trop de possibilités, les planches. Parce que là, du coup, j'arrive. Boum, 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 boum. Putain, mais c'est du perfect, hein. Boum, 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 boum. On court là, hop. Petit quick save ici. Parce que ça fait plaisir. Boum. Merde. Hop, on arrive là-dedans. Il y en a un en hauteur. Donc on arrive là. Savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que comme on est un mec un peu plus stylé que la moyenne, si je peux me permettre,
Déjà, on va arriver par là. Oh, une caisse à outils, elle est pas récupérable celle-là? Ah non. Donc là, on arrive par là. Comme on est un mec un peu plus stylé, à partir de là, on prendra le shotgun. Ou alors le flingue, hein. On prendra le flingue. Hein. Et genre, on va arriver, on va faire. Bam! Vous voyez ce que je veux dire? Genre. Bam! Comme ça. Ouais. Trop simple pour toi, ce jeu, on dirait que tu fais la ligne de code de la. Mais en fait, tout est dans ma tête. Genre, tout est dans ma tête. Là, je sais pas si vous voyez, mais je sais très bien que, genre, faut que je fasse ça, ça, ça. Et avec le bateau là, ensuite, zoom, tchac. J'aurai une voiture qui m'attendra ici et vroom bam tchik pow. Ce jeu c'est ma pute. Quick save. J'ai regardé Swank, j'avais l'impression qu'il passait tout son temps à faire la Macarena. Bon, je suis désolé. Si j'en ai trop badass. Bah ouais, bah désolé. Parce que en soi, je peux le baiser par ici. Ouais, bah je le baiserai par ici. Hein. Ce sera aussi simple. Boum tchak pam. Non, mais j'ai tout dit. J'ai tout dit si je peux me permettre. Genre là j'arrive. Hop. Je cours. Boum. Attendez. Me casse les couilles ce toit là. Et il y a tous les trucs là qui m'emmerdent. Allez. Allez-vous-en. Oh merde, faut pas que je casse le sol parce que sinon je pourrais plus marcher. Donc là, boum. Tac, tac, tac. Avec le fusil à pompe, je tabasse le truc. En même temps que je cours là. Boum. 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 Pour arriver ici. Et ensuite. Bah en fait, c'est simple, hein, ouais. Pour arriver là. Hop, je la mets un peu plus en vision, en visuel, je veux dire. Peut-être je peux m'arranger pour arriver ici en fait. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de marge d'erreur, on va mettre des planches, hein, comme on est. Je suis pas une salope. Non, non. Ça s'appelle de la sécurité. Bah ouais, les gars. Hop, le spray can va me permettre de dire. Là. Target. Tac. Est-ce que j'ai envie de tester un truc? Parce que, en soi, si. Si je fais boum, si j'ai le shotgun, que j'arrive à faire deux trucs comme ça, que je. Avec le shotgun. Bon, je vais. Je vais faire une quick save plutôt là, pour éviter des conneries. Shotgun. Je jette ça là-dedans. Y a pas moyen que genre. Poum! Non, ça marchera pas. Hein. On va y aller au shotgun, ça va être plus simple. Tac! Donc là, on en aura celui-ci, celui-là, ça va aller vite. On court, on court. Il nous restera 1, 2. Ouais, je pense que pendant ce temps-là, on aura le temps de changer l'arme. Je sais ce que je fais. Ah merde, c'est du bois. Y a rien qui brûle là, il se fout de ma gueule. Boum. Hop. Allez hop 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 hop, on jarte tout ça.
Merde. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Bon, allez. Je pense que là, en vrai, on n'est pas trop mal. Donc là, ouais, on sait que à partir de là, hop, on arrive. Shotgun là. Shotgun là. D'ailleurs, ça détruit ça? Ok, ouais, ça détruit, je voulais juste être sûr. Comment ça, trop nul? Ça va pas ou quoi? Donc là, pam, boum, boum. Donc on est au shotgun. Boum, bam, bam. Pendant ce temps-là, on change, on prend roquette. On aura juste à tirer une roquette. Je vais détruire tout ça. Une roquette là. Une. Alors, où est-ce qu'il est le. Ici, hop. Vais faire une quick save. Hop là. Non, en plus là, surtout que je suis en train de faire un move de génie, je sais pas si on se rend compte. La taille du cerveau du type? Ouais. Hop. Quick save. Donc là, il faudrait dire que j'aurais changé pour la roquette. Non, mais il n'y a pas de problème, Camilla. Je te rigolais dès que je déconnais. Hop là! Ah! Badabam boum. Ratboy qui sub niveau 1. Merci Ratboy. Non, mais c'est incroyable là par contre. Hein. Tout le monde se sub depuis hier. C'est. C'est exceptionnel. Quick save. Boum. Boum. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. C'est trop. C'est trop sympa. Mais ça, c'est parce que je suis trop fort à ce jeu. Je sais très bien que c'est. Il n'y a pas d'autre raison, quoi. Donc là, boum. Boum. Je saute là, pouf. La bagnole qui m'attendra. Juste là. Hop. Quick save. Ok. Maintenant, on va faire juste un peu parce que je le fais jamais assez. Mais je sais que dans les baraques, il y a des trucs cachés. Et on va explorer un peu tout le truc là, juste pour savoir s'il n'y a pas des trucs qu'on peut prendre. Déjà, on peut vous casser ça. Hop, ça, on le détruit. Et genre, je vérifie pas, hein, mais dans les baraques, des fois, il y a des trucs cachés, genre des objets et tout. Et je sais que je peux les prendre et ça me fait du fric en plus. Ça me permet d'améliorer mes objets, mais je le fais jamais. Alors que c'est nécessaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais ça, c'est carrément François Fromage qui me porte. Putain, sérieux, François Fromage. François Fromage. Non, sans déconner, c'était probablement un des meilleurs films que j'ai jamais vu hier soir. Bah, je peux passer comme ça. Ouais, y a rien là. Putain, elle est nulle cette baraque, y a rien dedans. Alors, quelque chose de valeur par ici, s'il vous plaît. Meilleure soirée de ma vie. Non, mais alors là, ça me touche, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je vous dise, mais ça, c'est pas possible. Le mec est trop sympa, il me dit ça à moi. Alors, à mon pote. Super coolos. Moi, en tout cas, je me suis bien marré, hein, sérieux. Faudrait que je refasse, je pense que celle de Bouba, elle est bien, mais en même temps, genre sur téléphone, elle passe bien, mais sur ordi, elle passe moins bien. C'est. Oh! Ah! 100 dollars cachés sous un canapé. Bah alors, monsieur, on voulait me les cacher? Non, là, je peux pas passer. Hop, là, je peux rentrer par là. Bah ouais, pas de problème. Y a quelque chose là-dedans? Non, pas là. Pour là-dedans. Pour là-dedans. Sérieux, mais je pense que c'est le meilleur glitch que j'ai pu trouver dans ce jeu, de pouvoir passer à travers les portes en les. Juste en les tenant, hein. Je suis le glitch master. Donc là, hop. Fusil à pompos.
Kouros, Montos, Descendos, Atrapos, les trucos qu'il y a par là-haut. Eh, mais ça, vous vous rappelez ces trucs qu'on avait pété dans une mission? Je suis sûr que ça, c'est pas dans cet état pour rien, je vous le dis direct. I found you, boudou, touch you, pom, chom, pom, chodou, boudou. Putain, sérieux, c'est trop cool, hein. Ouais, je pensais qu'il y aurait quelque chose de caché en haut. Dommage. Rien en bas. Putain, il n'y a rien de caché dedans. Oh. Ah non. Non. Toujours rien, allez. Quelque chose là-dedans, non? Bon. Bah écoutez, rien dans la baraque, on va pouvoir devoir. On va devoir. Oh! Ah! Bon, 60$, c'est déjà bien. Pouf. Classicos, bah alors ça, ça me fait plaisir. Parfait, tip top si vous avez passé une bonne soirée. On s'assure qu'il n'y a pas de feu. Hop hop. Et là, on va pouvoir partir, hein. Ça va être le début de la mission. En vrai, on a eu une très bonne analyse du terrain. On a très vite compris les enjeux de la situation. Où est-ce qu'il fallait viser? À quel endroit il fallait s'arrêter à cause de soi que la tour est cassée? Cassée. Cassos. Avec un. Oh, allez. Sympa. Le jeu est grave. Ah, bah le jeu est magnifique. Hein. Quick save. Bon. Normalement. Si je fais ça, alors. Bon, on est prêt? Oh, le deuxième n'a pas été cassé. Oh putain, allez! Boum boum boum. I want you in my room. Timelapse 0,2 secondes. Oh là là, le first try, 20 minutes, 20 minutes, on a clear le niveau, aucune erreur de ma part, aucune erreur. Oh, oh le bug est fort, le bug est fort. Ton, ton. Il y a eu quelques petites erreurs, là ça a galéré un peu. Je me suis dit ça n'avait pas marché. Là heureusement que j'ai pris ce raccourci là parce qu'au final j'ai gardé. Je pense que c'est là, là j'ai dû gagner 0,2 secondes au moins. Là pas de temps. Là aucun temps perdu. Shkaboom. Shkaboom. Là le temps perdu ça a été ici un peu, j'étais pas sûr. Oh putain là j'ai perdu du temps aussi hein. Et après, vam. Entrée dans la porte. Je me suis pris le truc, j'ai mal géré le virage. Putain. Eh B. En tout cas, première arrivée sur le jeu, directos, victoiros. Oh. J'ai. Ah, donc là, visiblement, on a récupéré toutes les armes du jeu, puisque à chaque fois, on a plus de nouvelles armes. On a juste des nouveaux objets. Oh, la voiture, elle avance bien cette bagnole là. Donc ouais non là on a plus de. On gagne plus de nouveaux objets donc je pense qu'on les a tous obtenus. Ah oh, bah on peut ouvrir en grand. Mais on a. Putain ça commence à. Eh c'est un truc de taré, ça commence à être. Là on a besoin de fric pour avoir nos objets au maximalos quoi, j'ai envie de vous dire. Eh, on a un nouveau canapé, on avait pas de canapé avant. Oh attendez. Qu'est-ce qu'ils disent à la télé?
Ah, oh non, une augmentation du niveau de l'eau. Oh non, je sais pas qui a fait ça, mais. Alors, on va regarder déjà nos outils parce que. Quel outil on pourrait augmenter? Je pense qu'on peut augmenter. On va essayer de mettre plus de rounds dans le canon. Le shotgun, il est au max. Les planches, on va les améliorer un peu. Non, en vrai, les planches, pour le moment, c'est pas trop mal. Pipe bombe, je vais augmenter. Ah non, c'est pas ça. Oh, les bombes, par contre, ouais. Hop, plus de bombes. Et le blast, on augmente. Le gun, on augmente les rounds. La range. Bah là, on est pas mal. On a tout augmenté un peu bien. Les plans. Ah, mais non, je vais remonter les planches. Je vais mettre. Tac, et voilà. Nouvelle mission, Garden Woo. Ah, je me suis presque étouffé sur mon expresso quand j'allumais la télé. Hilarant. J'ai rigolé toute la matinée. On dirait que la bombe a marché mieux que je le pensais. Bon boulot. Asterionos le buenos. Asterion le buenos. Tracy, on dirait que ça va être notre meilleur mois en des années. Si ça continue, on va bientôt pouvoir être capable de remplacer la chaudière dont on parlait. Attendez, parce que je vais regarder en haut comment ça avance. Alors ça, c'est toujours dans un état catastrophique. Faut le réparer, hein. L'ascenseur est dans un état catastrophique, hein. Bon, au moins, on a tout ce qu'il faut. La chambre, est-ce que ça ressemble à quelque chose déjà? Ah bon, bah tant pis. Bon, bah on verra pas. Désolé. Ouais, je vais le fermer lui. Hop. Nouvelle mission. Motivational reminder. Reminder. Destroy Mr. Amanatid's propane tank for Jillian. Ah, il faut qu'on détruise des tanks de propane. Enfin, des trucs de propane. Le mec du mail parle. Bah oui. C'est vrai que ça lui parle d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on a à détruire? On a des trucs de propane à casser. Ok. Très bien. Ah, il y en a un qui est en dessous là. Est-ce qu'on peut le sortir? Parce que je crois qu'on peut les sortir de là où ils sont. Hein. What the fuck? Mais où est-ce qu'il est? Merde. Pas d'entendre de l'ascenseur, tu pourrais essayer. Ça va, oui? Oh merde! Pourquoi il y a Song qui s'est mis? Je vais pas demander de Song. Mais enfin, c'est par où? Attends, excusez-moi, mais. Bon, c'est pas grave, ça c'est fire alarm, on s'en fout. Comment est-ce qu'on atteint ce truc là? Il a l'air caché. Hop 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 hop. Alors je suis désolé, mais j'ai aucune idée de comment y aller à celui-là, c'est bizarre. Merde. Ah bah oui, il est là, bon ça va. Ah, on peut les déplacer par contre, ça c'est une bonne chose. Regardez. Ok, donc ça on peut le déplacer. Il y a un véhicule par là ou pas que je puisse prendre et. Ça, hop. Alors, je suis tellement costaud, je fais pas d'exercice physique avec des outils d'exercice. Je prends directement la machine et hop là. Les haltères, bon pareil, hein, j'ai envie de vous dire, les haltères, je les chope comme ça. Hop, 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 les haltères. Attendez, est-ce que je peux faire un truc? Je le jette. Merde. Oh merde, je l'ai jeté trop loin. Bon, bah tant pis. Bon. Ça m'a surpris. Très bien. J'ai regardé mon chat, 80% de finish. Incroyable. Donc on a ça qui est là. Tchakalaka. Boum boum baba. Ah non, attendez, parce que ça c'est pas le même. Ah non, il est sur le toit lui. Ok, on en a un sur le toit. Un là. Un là.
Un là, un là, un là. Donc il y en a, je pense qu'on va pouvoir les déplacer. On va regarder. Donc l'escape, il est là. Donc il faut qu'on commence par là-bas. On va commencer par la zone. En fait, il faut toujours commencer par la zone qui est la plus opposée à l'escape pod. Si je peux commencer par là, c'est toujours mieux. Donc on a un truc en haut. Donc logiquement, logicamente. À mon avis. Alors attendez. Je veux pas vous gaspiller mes trucs, mais. Random cac! Non mais des moments, je sais pas, il y a des trucs qui me font plus peur que. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Allez, ouvre-toi, saloperie. Bon. Enfin. Oui, voilà, je préfère. Ah oui. Ah bibi. Ah bibi. Hop. Ça s'ouvre ça? Ah oui. On va vérifier s'il n'y a pas des trucs dans les de contenu dans illégaux, du genre des singes cachés dans des trucs. Bah ouais, ils sont capables hein. Nanana. Alors, où est-ce qu'elle est la bomba? La bomba! Moi je suis venu pour une bomba, il y en avait plusieurs par là. Oh, les murs sont destructibles. Ah bah parfait. Hop là, ça c'est le remède contre le Covid. Hop, merde. Ah merde alors. Oh. Merde. Oh non, je suis coincé sous l'armoire. Mais sortez-moi de cet enfer. Hop, on se débarrasse de tout cet outil. Oh, oh la sécurité pour les bombes quoi. Oh merde. Je fais n'importe quoi. Oh les conneries. Non mais certains murs sont pas destructibles à la masse. C'est pas si facile qu'on dirait, hein. Je vous jure que c'est pas si facile. Mais regardez, par exemple, ce mur-là, pas destructible. Enfin, c'est pas un mur, mais c'est pas destructible à la masse. Eh ouais, eh ouais. Ça, par exemple. Hop là. Putain, trop stylé, sérieux. Salut, radiateur. On va s'occuper déjà de commencer par bien s'occuper des murs. Hop, merde. Ah, voyez, là, ça c'est pas destructible la masse. Ah, on se foutait de ma gueule, mais hein. Ah, alors. Hop, on jette tout ça par là. Allez, toi, tombe. Je prends tout et je jette. Alors, il n'y a pas des trucs à récupérer par contre. Hop, la table, je jette. Je jette. Ok, très bien. Ensuite, on y repart. Oh! Hop, on va faire un trou par ici et on va jeter des objets. Ah merde, non, ça on va. Oh merde. Non mais, allez! On va faire une petite quick save au cas où parce que depuis tout à l'heure je save pas mais. Mais bon. Oh merde, j'ai appuyé sur lancer. Faut que je sois un peu plus doux avec la bombe, genre. Voilà, là je la pose par terre. Je jette quelques trucs par la fenêtre. Mais la bombe, il faut la traiter avec douceur, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas n'importe quelle bombe. C'est une belle bombe. Regardez-moi cette bombe. Oh la vache. La musique, elle est douce, hein. J'ai
J'ai pas envie de l'acheter parce que je suis sûr que si je la fais tomber, la bombe, là, elle va me casser les couilles. Voilà, donc là on a déjà une bombe qui est à portée de. On va faire un truc, c'est que regardez, là il y en a 1, 2, 3. Est-ce que je peux faire en sorte d'avoir celle-ci, celle-ci et celle-ci en un coup? Ah oui! Ce serait bien. On va essayer d'utiliser le flingue pour le coup. Celle-là, elle est où? Elle est en haut. Hop, on ouvre la porte. Bonjour, monsieur le farman. Le farmer, le phareur, l'homme. Comment on appelle un homme de phare? Un phare. Mr. Phare. It's Mr. Phare. Attendez, parce que là, on va faire un truc, c'est pour la retenir, pour l'empêcher de tomber. Parce que si elle tombe lourdement, elle va sûrement s'abîmer, hein. On va faire une quick save au cas où. Allez, ma belle. Viens, ma belle. Ouga! Oh! Bien, ma jolie. Pardon. Ah merde, je suis du mauvais côté. Ah merde, en fait j'aurais pu la détruire beaucoup plus simplement. Hop, ça jarre. Oh. Je la mets doucement, doucement. Dolcemente. C'est en espagnol, ça veut dire ça. Doucement, ça se dit dolcemente en espagnol. Dolci, dolci. Je parle espagnol couramment. Hop, donc là, on va faire un petit test. Ah, oh. Je me suis cassé les pieds dans l'eau, hein. C'est. Ah, c'est extrêmement satisfaisant, hein, Enola. Quick save. Donc là, normalement, avec le petit flingue. Pow! Pow! Pow, pow, pow! Pas mal, pas mal. Déjà. Bilingue, je suis trilingue même. Je sais parler gardien de phare. Ah bah oui, putain, merde, je suis con. Je sais même parler anglais. Ah ouais. Yes, I can speak English very well. Tududu. Bah ouais, les gars. Bah ouais, les gars. Non, mais je suis pas le meilleur streamer FR pour rien. Zerator peut aller se rhabiller. C'est-à-dire que parce qu'il était déjà à poil, le salaud pas dégueulasse. Pourquoi il se met à poil, ce mec? Je comprends pas. Bah viens toi. Bah viens ma belle. Petite quick save des Famax, il va faire super plaisir. On va démolir l'encadrure de porte. Parce qu'en fait on sait jamais, hein. Peut-être que sur un malentendu la bombe elle va se dire bon allez j'explose par là parce que je vais pas passer. Yeah. Putain. Non, malheureusement, le concours, je pensais aussi que c'était ce soir, mais c'est repoussé pour circonstances particulières. Et écoutez, je ne dirai plus un mot sur ce concours pour la simple et bonne raison que j'ai plus envie de dire des conneries. Genre, imaginez, je redis encore, c'est pour demain ou alors pour une autre date. Et en fait, ça arrive pas. Ah bah ouais, là j'aurais l'air d'un con. Oh bah, on va la poser là, ça va me faire très plaisir de t'avoir amené jusqu'ici, mais on va pas prendre plus de risques et de toute façon, concours du plus moche, Pota est malade en plus, voilà, donc boum boum gak boum gak. Putain, j'adore ce bruit, gak boum boum. Hop là, la caisse. Et regardez, il y a des trucs qui ont vraiment des poids, parce que ça c'est léger, je peux le jeter, ça c'est un peu plus lourd. Oh, oh, boum. Hop là.
Pistolero, moi. Oh, merde. Regardez-moi ça. Ouais, putain, je suis en train de gaspiller toutes mes balles de flingue. Quick save. Donc là, j'pim, j'pom, j'pam. Et avec ça, on en aura 3 de fait. Il y en a une là qu'on va pouvoir sortir de son trou là aussi, parce que celle-là m'a l'air d'être cachée juste en dessous. Bah écoute, t'inquiète pas, ma jolie, que je vais te sortir d'ici. Hello! Ah. Alors on se cache. Oh merde, j'ai cassé le bec benzène et l'Erlen Meyer. Oh. J'ai tout cassé, hein. Je suis désolé, mais je détruis. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça a accroché? Ah bah oui, parce que c'est du propane. Alors ensuite, avec la blowtorch, on vient gentiment dessouder tout ça. On arrache ça. On enlève. Ah mais je suis le Kiliqui. C'est pour demain? Non, non, non. Bon allez, on oublie que j'ai un jour parlé de du truc concours de moche. Comprendes? C'est en espagnol, ça veut dire compris. Allez, tout à la flotte là. Oh merde. Donc d'ici, j'aurai boum, bam, gac, bim. Je vais l'approcher encore un peu parce que j'ai l'impression que bim, j'aurai un peu de mal à la toucher si je fais les conneries. Fastoche. Bab bab boui. Bah pardon. Quick save. Non mais voilà, là c'est bon. Bam 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 bam. Je grimpe. Ensuite il y a celle-là. Celle-ci. Facile en vrai. Celle-là ça va être facile. Ah bah c'est facile en vrai. La dernière elle sera sur le toit. On va monter sur le toit et on va s'occuper de celle qui est en haut. Déjà on va la déplacer un peu. On va la mettre un peu plus accessible. Et vous savez comment on va faire ça? Grâce aux planches. Les planches, bah ouais. C'est l'outil le plus utile de ce jeu quasiment. C'est le seul outil de construction du jeu d'ailleurs. Bah ouais. Alors là je vous lâche des trucs. Ouais. Bon allez. Hop là, bah bah bop. Bah ouais les gars. Hop, petite quick save. Salut Oliver. C'est quoi le jeu? Ce jeu c'est Teardown. C'est un jeu dans lequel on est un putain de magouilleur, voleur, je sais pas quoi. Et on doit effectuer des vols, détruire des trucs, faire plein de choses quoi, des missions qu'on nous fait faire. Sauf que le jeu a une particularité, c'est que les physiques sont extrêmement particulières et que on peut faire tout ce qu'on veut dans ce jeu, putain. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut tout casser. Tout est destructible, tout est... on peut faire tout ce qu'on veut en fait. C'est ça qui est intéressant et que du coup ça nous offre un nombre infini de possibilités concernant comment est-ce qu'on veut effectuer notre mission de destruction. Destruction! Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est excellent. Il y a un bug sur cette mission, tu peux juste tirer sur le bouton au pistolet pour la finir. Comment ça c'est pas marrant? Toujours ton suite pornum? Non, je l'ai... En fait, ce qui s'est passé c'est pas que je l'ai perdu, mais je l'ai oublié chez quelqu'un et j'ai eu la flemme d'aller le retourner le chercher. Du coup voilà, j'ai plus de pull pornum. C'est que la vérité, hein, j'ai juste oublié de... J'ai jamais été le rechercher. Et je sais même plus en fait chez qui c'est depuis. Du coup voilà. Donc là, on va faire un truc.
coup, non, j'ai plus mon pull porno, malheureusement. Enfin, bref. Malheureusement. Est-ce que vraiment c'est malheureux? Nombreuses femmes. Non, alors là, absolument pas. Pas de femmes. On parle pas aux femmes, nous. Désolé. Et en fait là je me dis que ça va être beaucoup plus simple que je pensais parce que je pensais à faire un truc. En fait j'avais comme idée de me dire que je les aurais accessibles de là-haut. Mais ce serait encore plus simple que je saute, je cours ici, je saute en bas. Et en fait... En fait voilà c'est ça ce que je vais faire, c'est que je vais arriver là. Je vais détruire celui-là d'ici, je vais courir là et je vais descendre le plus vite possible. Pas un simple. Et non. Putain, attendez. Parce que là, je crois que j'ai. Mon cerveau est passé en mode Bujabao. En gros. Je vais arriver là. Et là, en fait, je vais ici, d'ici, je vais tuer le... Je pense que... Attendez, je vais juste faire un test. Ok, j'ai la range. Claude. Comment ça, aux FD femmes? Ok. Gaming. Gaming, 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 désolé. Boum! Donc là, j'arrive là. Bam, boum. Tchabam, boum, boum, boum. C'est le bruit que je fais quand je parle. J'arrive. Hop. Tac. Je prendrai mes bombes. Je poserai une bombe dessus. Je courrai là. Hop. Bukchaka, 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 bukchaka. Je mettrai une deuxième bombe là. Attendez, je vais faire une quick save ici pour voir. Mais normalement, si je pose une bombe là, on avait déjà essayé tout à l'heure. Ok. Ok, donc c'est bon. Laisse-moi rien. On avance avec les femmes. Oh, pardon. Donc là, par contre, c'est. Attendez. Je vais juste. Spray can. Ici, je mettrai une bombe. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air d'être tutti quanti buenos dias. Chacalacas. Si je peux me permettre. Donc, on a gun et bombe. C'est les seuls trucs qu'on va devoir utiliser. Ça va être une mission expéditive. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, c'est vrai que c'est une super copie pasta. Est-ce que tout le monde est prêt? Là, je me prépare. Je vais prendre un. Je vais prendre un truc à boire. Allez. Allez, 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 allez. Foucha. Là, mais c'est. Fouah, c'est. Tchac, tchac. Allez. En plus, bon, par contre, j'ai pas un super aim. Va falloir que. Attendez, si. Je vais juste réduire un peu la. La sensibilité. Je suis pas à l'aise avec autant de sensi. Oh putain, mais là, il y en a encore énormément. Comment ça se fait qu'il y ait autant de sensibilité dans ce genre de jeu? Il y a toujours autant de sensi, hein. La sensibilité, la sensi de la souris est énorme, c'est terrible, j'arrive pas à... Ok. Plus il y a de smoothing, plus c'est sympa. Tac. Ouf, allez. Oh, attendez. Oh putain.
Il y en a une que j'avais pas vue. Il y en a une que j'avais pas vue dans une pipe. Regardez! Oh, celle-là, je l'avais pas vue, je l'avais zappée. Ah, bah alors là, ma cocotte, t'as cru que t'allais t'en tirer comme ça? Putain, mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la map, genre je l'ouvrais et je. Eh, la map, elle s'est ouverte comme ça. Putain, eh. J'ai failli me faire avoir et en oublier une. Mais non, 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 il n'y a même pas de près du but, puisque du coup, j'allais en oublier une. Eh, hop, 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 on me la fait pas, moi. Vous avez cru que j'allais oublier, moi? Hors de questionnos. Bah attendez, non, mais oh, c'est quoi ce bordel? Beans, boom, chapins. Je vais prendre. Y a pas un bateau là que je puisse prendre pour. Déplacer. Oh merde. Hop, on unwield. C'est quoi ça là? Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est une toile. Une toile de jute. Souk! Ah non, pas la fire alert! Mais il vient tout le temps me faire chier, fire alert là! Hop! Non mais vous savez, c'est tout un job d'être mec qui fait des trucs comme ça. C'est une optionnelle. Ouais, mais écoutez, on fait le job bien ou on le fait pas? J'ai l'impression que vous avez pas l'air de cerner avec qui vous sur la chaîne de qui vous êtes là. Vous vouliez que je fasse pas mon job à fond là. Non mais il est taré ou quoi lui? Ici on fait le job à fond, sinon on le fait pas. Hop là, je dis directos. La bomba, on va la prendre à, et on va la déplacer à, par là-bas. Pareil, on va l'amener par là hein, aussi. Hein. J'ai juste tout pété sur la route. Hop là. Hop là. Hop, l'arbre, on le prend, on le jette. Oula. Saloperie. Putain, il va me faire chier longtemps cet arbre ou quoi? Reviens par là. Reviens par là. Je tiens un arbre en laisse. Hein. Saloperie. De merde. D'arbre à la con. Hop. Ça, ça dégage. Oh! 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 Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non, je croyais que je volais, mais non, pas du tout. Je croyais que le truc bougeait de ouf. Allez là. Putain, c'est chiant à déplacer un arbre. Ok, donc ça déjà, on va aplanir un peu le terrain là aussi parce que on prend aucun risque. On prend aucun risque. Comment ça peut, Thoman? Mais non, je peux pas brûler parce que si ça brûle, bah ouais, directos, truc de brûle, et bah voilà. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Ça, c'est bueno. Hop là, on est repartos. Merde. Bye Camilla. Merci beaucoup d'être passé. Non, ça s'est pas passé exactement comme je voulais. On va la déplacer à la mano, hein, tout simplement. Hein, c'est ce que je vous dise. Ça, c'est unwielded. Unwielded. Tu me gênes. Oh là là. Oh là. Oh putain de merde. Je l'ai foutu à la flotte. Remonte. Oh la bombe Latina. Oh la bombe. Elle me fait chier cette bombe. Hop, on quick save. On va devoir quick save encore.
Hop, on va la traîner un peu. Je la traîne par le cul. Salope de bombe. Ouais. Pardon, hein. À toutes les salopes de bombe du chat. Ça peut être violent comme, comme ce que je dis. Mais elle a senti qu'il y avait un danger qui arrivait. Et ce danger, bah, c'est Mister Jean. Monsieur MNK. Ouh. Personne baisse dans mon cul. Effectivement, personne ne baisse dans mon cul, à moi non plus. J'ai pas du tout été surpris par l'explosion de la bombe. Bon là, s'il y en a une qui pète, l'autre va péter aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quick save. Il devait pas y avoir un truc avec la cacobox. Il me semble que si, mais finalement, c'est pas ce soir. Écoutez, je veux plus rien dire sur la cacobox. Je suis encore en train de dire des conneries. Allez! Allez! Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. Braqueur à héros. Je suis le héros braqueur. Concentration. On se prépare les poignets. Ok. Ok, c'est bon. Pam. T'es plus dans la cacobox. Bon, j'avoue. 17 minutes 56 pour la faire. Bah ouais, les gars. Je suis le King Ghost de ce putain de jeu. Ce jeu est trop facile pour moi. Mais ouais. En vrai, mais c'est vraiment trop bien. Genre, juste de faire des tests, parce que en vrai, si j'avais pas su que je pouvais le détruire par l'extérieur là, j'aurais trop galéré, je pense. Enfin, j'aurais beaucoup plus galéré. Double ration pour la dernière bombe. Ah bah, eh ouais. Bah non, mais la dernière, je me suis dit, on sait jamais, au cas où. Est-ce qu'on va pas essayer de faire attention? Se dire, j'en mets deux, comme ça, je m'assure du coup. Oh, encore du cash. Du cash, tous les jours du cash. Mais qu'est-ce que j'en fais de tout ce cash? Oh la merde, là c'est... Oh, regardez-moi ça, une petite baraque. Ah, oh, c'est ma baraque au bord de l'eau. Non mais sérieux, je commence à avoir une petite... maison bien sympathique. Hein. Merci, Skeletor. Bah c'est mignon, bah oui, c'est chez moi. Oh, j'ai un tracteur aussi. Attendez, on va voir si je peux conduire le tracteur. Oh bah bien sûr que je peux conduire. Bep, 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 bep. Et moi je m'y connais en tracteur. Hop. Putain, super ce tracteur. Il y a une tour là-bas, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Putain, mais en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose, ça, et c'est chez moi. Hein. Bah ouais, les mecs, c'est chez moi. C'est une cabane de trappeur en fait. Putain, ça, c'est un truc de chasseur. Putain, on est un chasseur en plus. Merde, dégueulasse. Tu feras 3 séries d'alter, pardon. Ça va pas la tête. Hop là, on arrive. Jumper. Je suis un jumper, je suis trop fort en jump. Hop, et on rentre par la porte de derrière parce qu'on a les pieds dégueulasses. Allez. Détruis pas tes champs. Comment tu nourris ta femme et tes gosses après? Mais je les nourris pas, voilà, hop. Alors là, c'est là où je range mes... Comment dire Je sais pas comment... Bref. Euh...
Là, c'est les toilettes. Super état, les toilettes. Là, c'est ma salle. Bref. Et nous y voilà. Ça commence à être. Oh, la bagnole. Oh, elle est belle en plus, hein. Elle, sans déconner. Ça, c'est les sièges avant. Bah, vous inquiétez pas, je vais les mettre. Hop. Je vous mets les sièges avant. Bien. Comment ça, il y a déjà. C'est pas mal là, non? Je me suis occupé de votre bagnole. Nickel. Combien de cash? 3000 de cash! Putain! J'ai tout pété! Alors est-ce qu'on a quelque chose de nouveau là-haut? J'aime bien regarder en fait à chaque fois si ça change un peu. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de parquet. Sinon, Pam! 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 Oh, et le flingue par contre, beaucoup plus puissant qu'avant, hein. Avant il faisait des petits trous, maintenant regardez-moi ça, il fait des trous pas mal, hein. J'ai même pas essayé de tirer sur la télé. Ah bah je peux pas. Je peux pas casser la télé, merde. Bon bah pas mal. Domer sans toi. Bah ouais c'est vrai. Je suis marié à la rue exactement. Alors dans les outils, on a 3000, putain, on va pouvoir augmenter au max tous les trucs. Je vais augmenter un peu le rocket launcher. Je vais augmenter le rocket launcher au max, voilà. Launcher au max, le gun on va faire ensuite. Hop, et le gun en deuxième. Tiens, mais on a trop de trucs, c'est trop bien. Message, on a un nouveau message de Parisa Terdiman. D'accord. Un assortiment des dishes, c'est des poubelles ça, non? Les dishes. Non. Mais non, des dishwasher, c'est la vaisselle. Download communication 3 satellites dishes at least. The island is protected by an armed guard helicopter that arrives shortly after hacking. Oh putain, donc il y a un hélicoptère. Oh trop bien. Je crois que ça c'est une mission un peu plus d'infiltration. Vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, je vais y aller vraiment en mode. Allez. Donc là visiblement il y a un hélicoptère qui va venir m'emmerder pendant que j'essaie de tout voler. Alors je comprends pas pourquoi il fait ça parce que c'est juste. Je suis juste un voleur quoi, je. Tout ce que je veux c'est être tranquille. Moi je voulais juste voler. Ah faut que j'attrape ça. Là on va y aller à la vraiment Est-ce qu'il y a un timing? Par contre j'ai pas regardé. Ok c'est bon. Donc là il n'y a pas de temps à respecter. Mais il y a un hélicoptère. Ça va être trop stylé. Là ça va être une mission un peu sous couverture. On va devoir se cacher. Comment est-ce qu'on va grimper? On va devoir s'infiltrer les amigos. C'est de l'infiltration là. C'est Metal Gear Solid. Solide. Pardon. J'ai dit solide mais je pensais à solide hein, je vous jure. Il y en a un qui est caché par là. Un qui est là-haut. Je suis le plus grand hacker de tous les temps, hein. C'est-à-dire que je vais pas me faire toucher par l'hélicoptère. Il me verra pas. Je peux le casser ou pas? Oh putain! Oh merde. Oh putain. On va essayer de pas se faire toucher une seule fois, ça va être difficile mais. A mon avis c'est faisable hein.
Oh putain, je crois que je me suis fait toucher, c'est dommage, mais. Mais bon, pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va faire comme si c'était rien passé. Ressort de l'after ciné, salut Gijas. Ah, il est en after ciné. Là, faut qu'on monte. Et qu'on aille jusque là. Hop. No problemo les amigos. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Putain, la mission est trop cool. Attendez, je vais juste regarder. Mais la mission est vraiment trop cool, par contre. Ça change vraiment des autres missions qu'on a pu faire. Oh, il y en a une là. Oh merde. Ok, là on est à l'abri. On va devoir passer de en face. On va passer par là-bas. On va passer par là déjà. Peut-être devoir prendre des modérateurs pour le Discord de l'After Ciné ou fermer les chats hors live parce que vraiment ils sont horribles. Ah bah j'essaierai de lui en parler, pourquoi pas, mais. La mission est trop cool, hein, ça change trop des autres missions. Là on peut passer par en dessous discretos. Ok, le phare. On va essayer de passer par en dessous discretos et de rejoindre ici. Allez hop. Il me voit pas. Bouffon. Bouffon. Trop putain. Et pour le moment. Ok, c'est en haut. Oh 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 oh. Ok. Il y en a un là aussi, faudra que j'aille le chercher. Je vais aller chercher maintenant d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? J'ai besoin de faire tomber ça. Oh putain. Bon, la vie tombe pas trop, mais. Allez, tombe. Oh vache, 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 vache. C'est tendu, mais c'est le... on est obligé de faire ça parce que faut que je chope le. Il est tombé dans l'eau, le truc à hacker, c'est pas une blague. C'est une blague. Mais où est-ce qu'il est? Non mais. Le truc à hacker est tombé dans l'eau. On est actuellement coiffé pareil. Let's go! Le truc à hacker est tombé dans l'eau, fait chier putain. Bon, par contre, ça va falloir que je le répare, je le prévois. Ouais, bah ils sont pas marrants, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, malheureusement, c'est pas mon chat, je vais pas dire à Pota comment ça marche quoi. Je suis pas ce genre de personne.
Mais bon, si je pouvais, faut juste leur dire qu'ils sont pas marrants, quoi. Un jour. Par contre, ça, j'avais pas prévu ce truc-là en hauteur. Parler de quoi? Des deux mecs qui sont chiants dans le chat de Pota. C'est dommage d'ailleurs, parce que. Enfin, je vois pas quelle utilité d'être relou, quoi. Surtout dans le chat d'un YouTube. Enfin, ce Pota est sympa en vrai, genre, juste, il est juste sympa comme mec. Il mérite pas une communauté aussi toxique, hein. Merci pour les travaux, Jean-Jacques Gousteau, pardon. Excellent travail de ma part. Ok, donc là, vous êtes prêts? L'after ciné, c'est trop cool, hein. En vrai, c'est trop marrant. Moi, je sais que je me marre bien à chaque fois. Ok, c'est partoche. Ah! J'ai crié comme... là, y a pas un moyen de. Oh! Merci Eva Kavit pour le sub, incroyable! Hop là, ça passe! Wouhou! Incroyable, mais tous les jours des subs là, c'est dingo, hein! Oh! Oh! Moi ça va, j'ai pas à me plaindre de mon chat, que des mecs sympatoches, que des meufs sympatoches, que des gens sympatoches, j'ai envie de vous dire. On dirait que je suce mon chat, mais... Enfin c'est juste, vous êtes pas chiant, donc j'ai pas à faire le faux cul, quoi. Ah merde, il y en a deux que j'ai pas pris encore. Ah oui, c'est les... Il coûte combien? Le jeu est à 19 € je crois. Non! Oh shit! Oh shit! Oh shit! C'est la meilleure mission du jeu, hein, par contre, hein, sans déconner. Oh non! Oh putain, tout à l'heure il arrivait pas à me tirer dessus? Tu peux pas fumer l'hélico? Non, ce serait trop facile. Si je pouvais fumer l'hélico. Pouf! Putain, je pensais que j'allais réussir là. Je pensais pas qu'il allait réussir de me. Bon, allez, je vais tenter de détruire l'hélico juste pour votre. Pour vous faire plaisir, ok? C'est pour vous que je le fais, la team. Parce que c'est. En vrai, c'est facile. Si c'est trop facile, je trouve le jeu si j'arrive à le détruire. Viens là, salope! Il arrive, regardez, on le voit arriver là. Un cheveu dans la bouche. Oh, connard! Connard! Non, visiblement, ça se détruit pas. Ah oui, lui aussi, il tire des roquettes. Tiens, t'en mets dans les dents. Bon, non, c'est pas destructible. Moi, j'ai un vocal pour jouer à Minecraft. J'arrive, on me dit casse-toi, mais vas-y, c'est bon quoi. Oh, bah. Non, mais c'est des gens pas drôles, ça. C'est juste des gens qui sont pas drôles, hein. Genre, faut. Explosion! Allez, il s'agirait d'arrêter de faire des conneries. On va commencer par être un peu plus on va commencer à être un peu plus stratégique parce que visiblement il va en falloir quand même de la stratégie. Malgré ma fine analyse qui semblait pointer du doigt un manque de stratégie à utiliser, à employer pour ce niveau, il semblerait que je me sois trompé. Oui, les amis, je me suis trompé. Y a plein de trucs à voler par ici, hein, j'adore ça. Hop, on va commencer par voler celui-ci, ensuite on va aller voler celui qui est sur le toit là-bas.
Pour des simples raisons que ceux qui sont au pop-up, faut aussi que je fasse le je pré mise en mettre en préparation celui-ci. L'after ciné, c'est sur le serveur de Pota et en gros le concept c'est juste qu'on regarde des films entre potes. Enfin genre il y a une, deux personnes qui regardent le film, genre en général c'est Pota et un mec de la caca box qui regarde le film. Et les gens peuvent réagir dans le chat. Et du coup c'est assez marrant à regarder quoi. Enfin c'est assez marrant à. Quand ça se passe quoi. Moi j'aime. Enfin, moi je trouve ça sympa mais. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a le chat qui est pas forcément très très agréable. Ah bah parfait, c'est pile poil visible. Ok, donc là c'est bon. On aura celui-là, celui-là. Boum boum, jagada back back. Vous voyez ce que je veux dire? Blague annulée, comment ça, blague annulée? Vous êtes prêtos? Hacking en cours. J'imite le bruit. Bien sûr, dans l'after ciné, j'ai un film à recommander. Je sais. Sans vouloir être. Je crois savoir de quel film il s'agit, hein, sans vouloir faire le mec. C'est trop bien, sérieux, de passer à travers les murs comme ça. Je suis à fond, mais je suis trop fort en plus à ce jeu, hein. Sans, non, sans déconner, je suis. J'adore ce jeu et je le trouve trop cool à jouer. Il est juste. Le jeu est trop génial, quoi. Sort, sans déconner, il y a vraiment. Il y a aucune blague, quoi. Je prends du plaisir à jouer à ce jeu. Là, c'est pour ça que je voulais aussi. J'y jouais en live et un petit à petit. Parce que j'avais pas envie de le finir assez vite. Genre en mode. Je voulais profiter et je trouvais qu'en live je pouvais en profiter mieux parce que je faisais l'émission. Bah je me. Ça me contraindrait à pas les faire tout le temps. Ça me contraindrait à pas y jouer tout le temps donc. Hors live j'aurais joué tout le temps genre. Mais là du coup comme. Oh putain. Fouf! Comme j'y joue en live, je me force un peu à pas y jouer tout le temps et du coup. Hop, ça me permet de profiter du jeu au max. Oh bordel. Le jeu détend à regarder. Bah, l'émission où c'est vraiment du. Bon, celle-là, c'est la moins détendue, je trouve. Au final, c'est une des plus dures parce que. Enfin, c'est une des plus dures sans déconner, hein. Genre, on dirait pas, mais. Mais sans déconner, elle est plus dure que beaucoup de missions que j'ai pu faire sur ce jeu. Mais elle est trop cool, genre elle est vraiment beaucoup plus intéressante. Diapota de mettre tes food fight en live avec ses viewers, elle fera plus de monde que notre en salle. Ah bah alors là. Ça j'en ai aucun. Enfin, j'en doute absolument pas. Déjà que j'avais fait plus de monde avec. Enfin quasiment la moitié de monde de pour Swank. Moi alors Pota. Sur food fight. En vrai je pense que. Je suis pas sûr qu'il serait chaud. Je pense que l'after ciné il veut regarder quand même du cinéma. Oh putain, putain, par contre, faut là que je m'écarte avant de crever. Zoubida! Si je peux me permettre. Ah bah le soir de soin, c'était vraiment. Bah c'était pire qu'incontrôlable, hein. Oh non, je l'ai cassé! Ah non, elle est pas cassée, elle est où? Oh putain! Oh la vache!
Oh putain, faut que je rentre. Faut que je rentre dans un abri. Oh putain. Oh nom de Dieu, de bon Dieu, de bordel de merde. Pardonnez-moi les injures. Non. Allez, rentre. Non. Je les avais tous. Oh non. Oh, j'étais trop serré du cul, hein. Fou. Traumatisé par Foot Fight. Oh putain, c'était chaud, c'était trop chaud, je suis dégoûté. Ah, oh, c'était trop bien. En vrai, faut que je me prépare. En vrai, là, c'est, j'ai pas le choix, faut que je me... Il y a des trucs, il va falloir que je prépare. En vrai, le début, c'était bien. Genre, le début, quand j'ai fait, comment dire, ça, sauter, arriver là, dac, dac, boum, boum, c'était pas mal. Ici, après le retour, passer, prendre celui-là, c'était vraiment pas mal du tout, le début. Oh, donc on va recommencer un peu pareil pour le début. Juste, on va préparer le chemin, d'ailleurs, d'ores et déjà. Donc on a celui-ci qui va aller jusque là. Est-ce que je peux casser les deux murs? Qui va jusqu'ici. Je suis même pas sûr en plus que j'ai besoin de... Ouais, je crois que je peux passer par... Ah non. Faut quand même... Le bleu là. Ouais, c'est ça, c'est là. On avait déjà fait en plus un truc exactement pareil, de la même manière. Tac, tac, tac. C'est pas le bon? Ah merde, c'est pas le bon bâtiment. C'est là, hop. Hop, hop. Ensuite on peut remonter ici parce que c'est bon, on peut remonter quoi, qu'est-ce que je vous dise. J'ai pas compris pourquoi il a perdu. Arrêtez, elle a pas compris, c'est pas sa faute, qu'est-ce que je vous dise. En plus là, voilà, accessible par là. Ok. Okidoki. Eh mais en fait, j'y réfléchis, mais... Oh, merdasse. Je viens de me rendre compte, mais en fait... Je pourrais tout simplement juste prendre tous les trucs comme ça. Genre en mode, hop, je les prends et... Bon ok, non, ça marche pas. Ça marche pas comme je voulais, malheureusement. Je pensais que ça allait marcher, mais... On va devoir se la faire à l'ancienne. Salut Marmotte. Ok. Je me baisse carrément parce que je me... Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, j'ai dit hop là. Ouf. Bon. Je vous avoue que c'est passé pas exactement comme je l'avais intentionné. Enfin, comme c'était l'intention, que comment ça se passe. Coucou José. Ok, ok. Quelques pailles bombes là.
Faites-moi péter ça. Non mais c'est pas vrai. Voilà. Allez, il va pas me voir là, il me voit pas. Bouffon ! Ah ! Non ! Pourquoi j'ai dit bouffon ? Oh putain de merde ! Bon allez, en vrai, j'ai le terrain, je sais comment ça se passe, c'est mon job. Vous savez quoi ? Aucune préparation quasiment à part le pylône. C'est l'objectif. Je suis un mec, je suis comme ça, je me prépare pas, je fais que le pylône. Je prépare juste le pylône. Mais c'est ça qui est bien aussi, genre j'aime le défi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? I am a man of défi. Hop hop hop. Non. Oh. Ah non, c'était conduire. Normalement si je fais hop hop hop, je peux m'en servir comme tremplin. Ah ouais, ça marche un peu. Hop, j'ouvre ça déjà. Hop. Le problème c'est les longs endroits où il y a rien pour me protéger. Genre pour revenir là, ça va être gâteau. Pas le rappeur, pas mal celle-là. Sous ma gueule ou quoi en haut? Hop. Alors, on va commencer du coup pas par celui-là, mais celui-là il nous permettra d'avoir un peu d'abri entre là et là-bas, donc c'est pas mal. Ok. La mission est trop cool, hein. Qui a déjà eu des voisins bizarres, mon voisin, mais allez. En plus, c'est bien parce que c'est une mission assez difficile, donc ça va me permettre de clôturer sur ce genre de mission, qui est pas trop dure. Enfin, qui est assez dure, mais qui est beaucoup plus excitante que toutes les autres missions qu'on a fait jusque-là. Vous êtes prêts? Tchou! Non, mais c'est pas par là, en fait. Je voulais passer par là. Allez! Non mais laissez-moi passer! Allez! Non mais... Allez! Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Ok. Qui ça qui hack? Ah bah oui. Non mais je suis con. C'est le but du jeu, ouais. Certes. Hop 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 hop. Je ne suis pas là. Attention. Ah pété. Oh oh. Bon oh. Ah 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 oh. Ouah, coucou 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 coucou. Ah. Ça pète de partout. Ah mais le double missile, ça je m'y attendais pas. J'avoue que je m'y attendais pas, qu'est-ce que je vous dise. Allez bah ça recommence hein. Faudrait que je fasse des saves aussi, je suis con parce que j'oublie de faire des saves à chaque fois. Non mais en vrai le début c'est bien, c'est pas compliqué. Mais juste allez.
Pardon? Voilà, hein, c'est tout. Tu me fais pas chier, toi. Enfin, elle va m'emmerder, cette tour! Merde. On peut pas quick save ici. Donc là on peut pas quick save visiblement dans celle-là. Ah mais non, en fait on peut pas quick save pendant la mission. Je suis con, je réfléchis même pas à ce que je dis. Putain, c'est chiant par contre de recommencer à chaque fois, si je peux me permettre. Je suis un peu con. Sérieux, ma technique de jump plank moving, incroyable. Je joue avec les planches comme si c'était des Lego. Peu concombre, allez. Concombre, zucchini. Non, c'est courgette, zucchini, si je peux me permettre. On va faire une première quick save ici, hein, pour éviter d'avoir des conneries encore, parce que je suis complètement con, par exemple. Par exemple, hein. Chujin Zucchini. Qu'est-ce que c'est? Salut Chujin Zucchini. Comment tu vas, beau gosse? Reviens toujours à la zouk, hein. Le zouk, c'est. Attention. Expéditif le gun. Bon, attention. Ok, c'est parti. Je sais plus par où faut que j'aille. Par là. Non mais allez, laisse-moi sauter par-dessus là. Non mais il est chiant lui. Ah! Merde, j'ai trouvé le mauvais. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire, ouais. Ouais, t'es bien informé, ouais. Les armes servent juste à détruire, exactement. Ça s'est pas passé du tout exactement comme je le voulais, parce qu'il y a eu un problème avec la bombe qui a pété au moment où je voulais pas, par exemple. On va y aller avec le shotgun uniquement, on va pas faire de conneries. Mais après, on n'utilise pas toujours tous les objets, hein. C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des objets qu'on utilise plus que d'autres, hein. Le shotgun, moi je sais que j'utilise beaucoup aussi le flingue. Mais chaque objet a sa mission de, comment dire, de prédilection. Chaque objet, je veux dire, peut être utilisé de différentes façons en fonction des missions, c'est... C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. De se dire que tous les objets peuvent être utilisés. You weren't fast enough. Hop là! Morda, c'est le seul modo. Pour le moment, j'avais Mr. Chaori, je crois que je vais le mettre modo aussi, qui passait souvent. Mais je réfléchis. Je sais quoi, je peux pas. Les choses vont évoluer. I am the man, but. Wow. Wow. Ça pète de partout. Master est devenu. Ah, c'est José qui est devenu Shujin. Mais il se fout de ma gueule. Il s'est dit je vais lancer des roquettes maintenant parce que j'ai envie de lancer des roquettes. Connard de con. Ah chien. Quick load, ça marche.
Non mais attendez, comment ça, ça recrute? Je sais même pas ce que je fais. Pourquoi je suis pas en modo? Parce que t'es moche. Chiquette sur le crâne de José. Ça part. José VIP, hors de question. Bon, on va passer par un petit trou dans le mur là. Hop 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 hop. On va se faire tirer dessus. Eh moi j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Je pense que le secret c'est de prendre son temps. C'est de prendre son temps les mecs. Bah ouais, je pense que je prends pas assez mon temps dans ce vidéo game. Hop. L'opala. Surtout dans cette mission par exemple. Hop, ça c'est pour être sûr. J'ai une stratégie, vous inquiétez pas. Vous avez vu ce que je faisais? Vous avez vu ce que je faisais? Intelligent Osman, c'est mon deuxième prénom. Je suis dans la salle des machines. Impossible qu'il me trouve ici. Je suis trop bien caché. Amen Kazukini, exactement. Non mais attrape-le! Allez! Oh putain de merde! On va attendre qu'il bouge un peu. Ça va être ça la strat, c'est juste de se mettre à l'abri pendant quelques secondes, le temps de récupérer quelque chose. Ok. Ok. Tu connais le jeu de la chiquette? Je suis pas sûr. Attendez. Je crois pas même hein, que je le connaisse. Oh putain de merde! Allez, saute dans le trou! C'est quoi déjà le jeu de la chiquette?
T'as parce que est-ce que c'est réceptif à aux explosions parce que. Ok. En fait, c'est réceptif aux explosions. Bah ça fallait savoir hein, que c'était réceptif aux explosions le machin parce que c'est pas du tout expliqué. Fouf, et ben on aura réussi. Putain, sérieux. Ils sont réceptifs au son, mais j'avais pas pensé qu'ils étaient réceptifs au son ni au hack. Genre en vrai c'est logique, vous voyez ce que je veux dire, mais. On va continuer. On va repasser par les trous que j'ai emprunté parce que. On va rester caché le plus possible. Oh merde. Est-ce que je suis pas trop fort à ce jeu par hasard? Est-ce que je suis pas trop fort à ce jeu par hasard? Si je pourrais me permettre. Le score indique en haut que je suis un expert, hein, par exemple. Oh, mais regardez-moi ça, c'est tout beau, c'est tout mignon. Il y a... Oh, petit chemin au pavé. Oh la vache. Non, mais c'est mignon par chez moi, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de sortir un peu et de faire un peu de bagnole. Alors, elle avance la voiture ou pas? Bientôt conductible. Je suis un expert, putain, je suis un putain d'expert. Le petit bonhomme, ah bah. Regardez-moi ça, niveau 89. Oh, je suis bientôt niveau 90, hein. Oh. Bah ouais, les mecs. Bah ouais, les mecs. Hop, on va faire sortir un peu pour observer. Comment dire? Keep clear. On va sortir un peu de la baraque, juste pour sortir un peu, vous voyez ce que je veux dire? Non mais sérieux, par contre, je suis désolé, mais le travail que j'ai fait là, c'est exceptional. Ça veut dire exceptionnel en anglais. Top, top, je vais prendre ma caisse. Eh, j'ai une belle voiture en plus, hein. Oh. Non mais par contre, c'est moi, je suis juste devenu le boss de la conduite. Sans vouloir me vanter. Je peux pas le tirer ça, j'ai envie de voir un truc. Il y a sûrement quelque chose à faire. Je vais prendre une caisse et je vais la tirer. Fin pour le petit bonhomme. Ah bah là, t'en as pour un bon bout de temps, hein, si je peux me permettre. J'ai envie de tester un truc. Ça marche pas comme je voulais. Conductibilité. Je suis un man. Non mais je suis trop fort en conduite. Et que personne ne me dise le contraire. J'ai des trucs inutiles en ce moment alors que j'ai besoin d'argent. Bah ça arrive à tout le monde hein. Moi je le fais pas par exemple parce que je garde mon fric. Mais salut Florasol. Putain, Florasol qui arrive pile poil quand je m'apprête à pas dans pas longtemps arrêter. Parce que comme vous le savez, je suis fanat de ce jeu et je veux juste garder du.
Bah, enfin. Ah oui. Je. Oh non. Oh non. Bon, attendez, on va tirer la voiture de cette impasse. En vrai, là, tu vas pouvoir assister à une tentative de quelque chose de je sais pas comment ça va se passer, mais. C'est pour ça que c'est une tentative, parce que c'est pas encore comment ça se. C'est une blague? C'est une blague? Je vais devoir. Je vais renvoyer tous mes trucs. Bon, allez. Plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenter. Avant de partir. Vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'avant de partir, on va se refaire la meilleure mission de ce jeu. J'ai enlisé les deux voitures. On va aller se faire la meilleure mission de ce jeu. Hop là. The Speed Bill! Et pour ça, quoi de mieux quand on fait le Speed Deal que de se faire une petite. Hop. Vous connaissez un moyen de serrer pour un serreur M. Oh bah oui, c'est. Ok, nous revoilà Partos pour le meilleur niveau du jeu. Je suis désolé, mais je suis un des plus grands conducteurs. Speed speed, pas comme la dernière mission, assez clair. La dernière mission c'était un peu moins speed speed, comme qui dirait. Mais là, trop mon pote. Oh mon pote. Là, je vais chercher les bagnoles. Ok. Ok. Là, je me concentre parce que je sais. Putain, j'ai le choc direct là. Turn your body into the moonlight, even if I'm Jack the Pixel. Ouais. En vrai, j'ai quand même mis moins de 30 secondes, hein. Je vais prendre l'autre voiture. This place before riding on the street and the moving from back. To be me, non. Oh la vache. Non, le jeu est à 20 balles, hein. Mais c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu jouer, hein. Sans déconner. Oh non. Putain, j'ai trop tourné. J'étais pas trop mal au début, mais. Vous avez vu le virage intérieur?
into the night. Ah ben ça vaut le coup hein, franchement. Qu'est-ce que je fais là? Higher on the street and I'm not in a time to go. Salut Lenka. Bon là t'arrives au moment. C'est bien puisque c'est le son, c'est parfait pour démonétiser aussi la vidéo. To the moonlight, even if I try to stand still, I know down into the moonlight, there's something in my face. Don't you see my condition? See my condition. Combien? I've never been in this place before. 27-15. Woo! Ça commence bien. Non. Oh là là, c'était très propre au début, mais après ça c'est... Attendez, je veux juste. Il est samedi. On drift. Pas trop grave. Casse. Do you like my car? Ah non. Allez. Allez. Faut pas couper pour faire le défi, comment ça? On peut pas couper. Faut y aller à fond. Non, à chaque fois je loupe. Faut que je retravaille le... Salut Valkinou. Gonna take my time. Non. En fait j'ai une technique. J'ai envie de tester un truc, je veux juste tester si j'y arriverai. Gonna step on the gas.
Attendez. Je voudrais arriver vite comme ça. Non, ça marchera pas. C'est... Ça demanderait beaucoup plus. Live Cinoche, demain, pas demain, je pense pas, parce que j'ai pas vu assez de films cette semaine. On verra bien, mais faut que je regarde plus de films. J'ai pas vu assez de films pour parler de Cinoche. On en a fait un plus il y a pas longtemps. Non, trop mal, trop mal, trop mal. Allez, allez. Oh là 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 là. Ça me donne des idées de films à voir. Ah bah c'est tant mieux, ça me fait plaisir. On a vu Foot Fight, c'est vrai, hein. Allez. Oh non, j'ai commencé trop tôt. J'ai été trop rapide. J'ai été gourmand là. Yeah, yeah. On va jamais arrêter d'essayer, hein. Wanna sit in the mud of running in the night is to be silver's running in the night is. Non. Guess I wanna sing, guess I wanna see. Allez. Merci pour le sub. Flygo qui raid. Ah non, c'est Flygo qui raid pendant que je fais des drifts. Oh ah non. Money. C'est pas grave, on continue, on continue, on continue. Oh oh oh. N'importe quoi. Merci Flego pour le raid. Wouhou. Je rejouerai à Minecraft bien sûr. Salut tous ceux qui arrivent. Ici ça drift très très fort. Salut Verox. Non. C'est trop dur, c'est trop dur. Moi ça va super, mais c'est extrêmement dur ce jeu, c'est un truc de taré. Oh non. On va y arriver, on va y arriver un moment. Un moment on va faire les drifts du futur et ça va être incroyable. And I'm down and I'm to be.
La voiture est dans un état parfait, hein. Allez, par contre ça dégage. Ça dégage. Non mais la voiture est dans trop mauvais état la bagnole. La voiture est en un trop mauvais état pour que je puisse continuer là. Pouh là là. Hop. Les premiers trucs, oh là là, les premiers virages c'était une dinguerie. Dommage les derniers virages j'ai de choc. Oh putain, allez. Streets on fire. Trop tôt. Bon, par contre, en fait, celles-ci elles sont vraiment moins bien que les premières. Parce que déjà vu. Merde. Oh merde. Attendez. L'enchaînement, déjà vu, gas et Running in the 90s, c'est vraiment le meilleur truc possible. Non mais c'est pas vrai, à chaque fois je te choque. Doudoudou. Allez. The body into the moonlight, even if I try to stand still. Déjà vu, I just been in this place before, running on the street. Oh là là, faut pas que je freine. Je peux pas freiner. Faut pas que je freine, faut que j'aille juste. J'avance et je fais des drifts avec les roues. Des fois j'arrête d'accélérer quand il faut pas, c'est. Goodie. Quelle horreur, quelle horreur.
Don't you see my isolation? C'est grave. À la prochaine, Lenka. Allez. Je le choque toujours au même endroit. Into the moonlight, even if I try to get through. Into the Non mais je mets tout le temps les mêmes musiques, elles motivent trop. Attendez, je vais peut-être mettre autre chose, on va mettre... Bon allez, on va mettre le classico, de toute façon c'est parti.